Ce jour-là, la salle des fêtes de Bure affiche complet. C'est la première réunion du débat public concernant CIGEO, un projet de site de stockage de déchets radioactifs souterrains, creusé entre Meuse et Haute-Marne. Ce débat public doit permettre à toutes les parties de s'exprimer. Mais l'ambiance est tendue. On fouille les sacs et dehors, les CRS ne sont pas loin, prêts à intervenir. Il est 7h moins 1. On commence à 7h, on termine à 10h. C'est un engagement qu'on prend. Les opposants ne vont pas tarder à se faire entendre. Deux objectifs. Du débat public. Premièrement, d'informer le public sur le projet dans son détail. Pour débat public, vous n'avez aucun pouvoir, vous n'avez rien. Le débat public, c'est quoi? C'est rien, le débat public. On a vu ce qui s'est passé en 2006. Messieurs, vous allez nous faire la même. Vous prenez les leçons pour des imbéciles. C'est une honte. C'est une honte. C'est ça, la démocratie. C'est un mépris absolu des populations meusiennes. Voilà ce que vous êtes en train de faire et vous n'avez même pas conscience avec votre souris. Vous nous méprisez. Vous piétinez nos droits. Voilà ce que vous faites. Et c'est ça le jeu de votre commission du débat public. On n'en a rien à faire. Ça ne prendra pas cette fois-ci. Partez. On ne veut pas de vous ici. Allons au débat. Plus on n'en veut pas. 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 Suspension de séance. Suspension de séance d'un quart d'heure. À peine commencé, la réunion tourne court et ne reprendra pas. Deux mondes s'affrontent. Celui des partisans, séduits par les perspectives de développement économique, et celui des opposants, persuadés que leur région deviendra à terme une poubelle atomique. Vous pensez que ce débat est impossible ? C'est impossible ? Mais non, parce qu'il a lieu par ailleurs, il a lieu par Internet, il a lieu... Le débat, c'est pas seulement les réunions publiques. Mais un débat public sans réunion publique, il manque quelque chose de très important. Il manque un dialogue. Mais voilà, ce dialogue est impossible. Là, aujourd'hui, là, à cette heure-ci, le dialogue est impossible. Tout a commencé il y a 20 ans. L'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, choisit le sous-sol de Bure pour y installer un laboratoire de recherche. Le laboratoire cache en fait un autre projet, beaucoup plus important, un site de stockage profond de déchets radioactifs. L'idée est lancée en 2006 et baptisée CIGEO. Ce site, creusé à 500 mètres de profondeur, est prévu pour stocker entre Meuse et Haute-Marne 99% des déchets hautement radioactifs produits en France. Ils seront stockés sous nos pieds pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Pour confirmer les qualités du site, le laboratoire de recherche de l'ANDRA procède depuis 10 ans à des analyses du sous-sol. Chaque année, le laboratoire invite des habitants de la région à venir visiter ses installations. Bienvenue à bord, messieurs, dames. Voyage au centre de la Terre, hein. C'est pas Jules Verne, mais presque. Alors tout ça, en fait, s'organise autour de ces deux puits qui sont les deux seuls moyens d'accès à moins 480 mètres de profondeur. La journée s'appelle Galerie ouverte. Les habitants peuvent enfin voir à quoi ressemble ce laboratoire dont ils entendent parler depuis des années. L'argilite, elle fait 130 mètres d'épaisseur, d'accord, et moins 490 mètres, c'est le milieu de la couche. C'est pour ça qu'on est à cette profondeur-là. Alors, on a choisi de s'installer et d'installer le laboratoire au milieu de la couche par un principe de sûreté, c'est-à-dire que c'est d'avoir autant d'argilite au-dessus que au-dessous de nous, pour la sûreté du futur stockage géologique. Alors, à poursuivre notre visite, on va aller voir maintenant
Géré par l'ANDRA, le laboratoire permet d'imaginer à quoi ressemblera le futur site de stockage. On peut y découvrir les conteneurs en acier et les prototypes d'alvéoles où seront entreposés les colis radioactifs de haute activité. On a des forages horizontaux qui font environ 700 mm de diamètre, de plusieurs dizaines de mètres, et à l'intérieur desquels on vient mettre donc le fameux colis de déchets hautement radioactif. Alors celui-ci, c'est un four, bien sûr. Donc ça, ça fait 90 degrés, d'accord, et c'est mis en place à l'intérieur de l'alvéole. C'est trop bien fait, moi je trouve. C'est bien fait. Hein. Ils essayent, c'est un laboratoire, ils essayent de faire ça correctement pour faire un centre expérimental, quoi. Ouais. De toute façon, il faut bien les mettre quelque part, les déchets. Hein. Il y a des déchets radioactifs, ils sont en surface, autant les mettre au sol, enfin, enfuis à 500 mètres sous terre, je pense, quoi. Le risque zéro n'existe pas, même si la route, tu peux avoir l'accident, mais là, les déchets radioactifs, les roues, ils chauffent toujours encore après, c'est vrai. C'est incroyable, hein. Le laboratoire dispose d'un budget de 100 millions d'euros par an pour étudier les solutions de stockage en site profond. Fabrice Boissier, responsable de la maîtrise des risques à l'ANDRA, a pour mission de répondre à toutes nos questions. Le laboratoire y était autorisé en 1998. Ensuite, il a fallu creuser les galeries elles-mêmes. Et ce n'est que quelques années après qu'on a pu avoir le laboratoire opérationnel pour tester à l'échelle naturelle, je veux dire à l'échelle humaine, ce qu'on avait pu faire avant sur des échantillons. Et donc ça fait plus de 15 ans aujourd'hui qu'on accumule de la connaissance sur le fonctionnement de l'argile et de ce que pourrait être le stockage à cette profondeur. Les ingénieurs analysent les propriétés du Kalovo oxfordien, une couche d'argile qui s'est déposée entre la Meuse et la Haute-Marne il y a 160 millions d'années. Cette roche a, en plus d'être très peu perméable, du fait de sa structure, va être capable de piéger des éléments radioactifs. Donc il va y avoir des échanges entre les éléments déjà présents dans cette roche et ceux des déchets radioactifs. Et ces éléments vont pouvoir rentrer dans la structure et être piégés. Donc ils ne vont pas pouvoir bouger, migrer très loin du fait des propriétés de confinement de cette roche. Partout dans le laboratoire, l'argile est testée en permanence. Des capteurs informent les chercheurs en surface sur les propriétés de la roche. On étudie à la fois le comportement de la roche tout autour grâce à des forages d'observation qui sont placés au-dessus et sur les côtés. Et nous avons également instrumenté le tubage lui-même à l'intérieur et à l'extérieur, pour voir comment la roche appuie dessus et comment il se déforme. Et ça, ça nous permet de dimensionner les épaisseurs des chemises dans le cadre de CIGEO, donc du Centre industriel de stockage géologique. Là, tous les traits de couleur que vous voyez, ça représente des forages. Donc dans cette galerie, nous avons plus de 80 forages. Et au total, dans le laboratoire, nous approchons les 600 forages réalisés pour des études scientifiques. Il y a en tout 6000 points de mesure qui sont acquis en continu et consultables directement par les scientifiques depuis leur ordinateur. Bien, je vais faire plusieurs pros, vous ne bougez pas, s'il vous plaît. 1, 2... Si les résultats de ces recherches sont concluants, les travaux de construction du site de stockage débuteront alors en 2019. L'ANDRA est en train d'exécuter ce travail. La société peut toujours considérer soit qu'il faut poursuivre les recherches, soit que l'ANDRA n'a pas bien fait son travail, qu'elle doit revoir sa copie. Et donc ce sont des choses qui peuvent bien sûr, et à mon avis qui doivent être
posée à la fois par tous les décideurs publics, que ce soit les locaux ou les nationaux, et qu'ils ne se sentent pas liés parce qu'on a fait 10 ans de recherche à un endroit. Ils ont bien sûr la latitude pour remettre en cause et stimuler toujours la meilleure solution possible. Dès le départ du projet, il y a une vingtaine d'années, une opposition s'est fait entendre. Ils sont aux ordres, ils n'ont pas de morale. Je pense que les favelas, ça les a fait réfléchir. Corinne et Nadine, graphistes et institutrices à Bar-le-Duc, ont très vite compris que le laboratoire n'était qu'un début. Elles ont été de toutes les manifestations et c'est un peu devenu le combat de leur vie. Le cahier des charges de l'ANDRA en 1994, c'est confiner, retarder le retour des radionucléides dans la biosphère. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas du tout une solution qui va neutraliser la radioactivité ad vitam aeternam. Donc confiner, c'est-à-dire la radioactivité, on la met dans des colis. Ces colis-là, on va les mettre dans l'argile, mais on sait très bien qu'un jour, les colis vont se dégrader et que l'argile ne maintiendra pas ad vitam aeternam la radioactivité. Donc aujourd'hui, si on prend la décision d'enfouir, ça veut dire qu'on donne le feu vert au retour de cette radioactivité un jour dans la biosphère. Alors c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre comme ça, mais en fait, c'est complètement irresponsable par rapport aux générations à venir. Et c'est d'une prétention inouïe et une posture qui est plus de l'ordre de la prédiction que de la science, quand l'ANDRA fait ses conclusions hyper rassurantes, systématiquement rassurantes. Tout est toujours formidablement optimiste. Est-ce que ça, c'est une posture scientifique ? Pas du tout. Député européen, Corinne Lepage pense que le projet CIGEO est à l'image du nucléaire français. Elle estime qu'une fois de plus, il n'y a pas de contrôle indépendant de l'opérateur. La France est incapable, dans ce domaine-là, de se sortir de ce système dans lequel on trouve tout à fait naturel que le contrôleur soit le contrôlé. Ça fait 40 ans que ça dure, et ça continue allègrement. Si on voulait réellement une expertise, c'est-à-dire pour être sûr que c'est bien, ou au contraire, penser que c'est mal, il fallait demander à des gens qui n'y avaient aucun intérêt d'aller dire ce qu'ils en pensaient. Qu'on mélange des pros et des antinucléaires me paraît assez logique. Les gens peuvent avoir des opinions différentes, mais au moins sans aucun rapport avec l'ANDRA. Or, c'est précisément l'ANDRA qui sera chargé de gérer ce site à qui on demande de faire les études. Bon, très bien. Je ne pense pas que ce soit une méthode de travail et je pense que nous courons des risques considérables à maintenir une méthodologie de cet ordre. Si le projet est voté par le Parlement, CIGEO s'installera donc en surface et en sous-sol, à cheval entre les départements de la Meuse et de la Haute-Marne. On imagine que si le projet vient à son terme après 100 ans d'exploitation sur les déchets qu'on a envisagés aujourd'hui, il pourrait recouvrir une quinzaine de kilomètres carrés à 500 mètres de profondeur. Pour amener les déchets à 500 mètres de profondeur, on aura besoin aussi d'installations en surface pour accueillir les déchets d'une part et puis pour gérer les flux avec le fond d'autre part. Ces deux installations couvriront chacune quelques centaines d'hectares, donc dans les environs de Bure, en Meuse. Quelques centaines d'hectares. Le projet n'aurait donc que peu d'impact en surface. Pourtant, dans la ZIRA, la future zone d'implantation, l'ANDRA recherche activement des terrains. À Mandres-en-Barrois, l'agence souhaite mettre la main sur le bois communal qui disparaîtra au profit d'un puits vertical d'accès du personnel. L'échange est avantageux. 220 hectares contre 370 situés sur deux autres communes. Discrètement, le conseil municipal organise un référendum auprès des habitants. Le maire, partisan de l'échange, est mis en minorité. Vous voulez vous parler de l'histoire des bois là ? Vous voulez pas nous en parler ? Non. Non ? Non. Non ? Bernard et son fils Jean, agriculteurs, ont voté contre l'échange.
ils ne voulaient pas que l'on détruise leur forêt. C'est un capital pour la commune quand même, donc on aura des bois loin, mais nous, moi je fais du vélo, j'aime bien me promener dans mon bois quand même, c'est le bois de la commune quand même. Et puis pour la chasse aussi, là, tous les chasseurs qui étaient contre, parce que pour eux c'est quand même, c'est les loisirs quoi si on veut. Parce que c'est pas que le bois, c'est pas que le rapport du bois, c'est les loisirs aussi d'aller se promener dans un bois. Aux alentours, beaucoup d'agriculteurs ont accepté les propositions avantageuses de l'Andra. Ils vendent non seulement leurs fermes et leurs terres, mais se voient aussi proposer en échange une autre exploitation sur un autre territoire. Ils achètent tout partout qu'ils trouvent des fermes. Ils sont même prioritaires à la SAFER. C'est quand même malheureux. On ne peut plus installer un jeune, c'est eux qui sont prioritaires. S'il y a une ferme ils ont fait à monter, prix c'est eux qui la prennent. Voyez, et puis ils en font ce qu'ils en veulent. Alors il y en a déjà des copains, ils ont déjà fait des échanges. Puis ils vont même plus loin, ils vont même jusque dans les Vosges. Tout partout qu'ils trouvent, ils achètent. Ces rachats de terres sont très discrets. Et personne ne sait vraiment combien d'hectares ont été achetés par l'Andra via la SAFER. La SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, a aussi été missionnée par l'Andra pour trouver des terrains qui accueilleront les remblais extraits du chantier, à l'image de ces verses remontées du sous-sol pour la construction du laboratoire. Car le chantier s'annonce gigantesque. Souvenons-nous du creusement du tunnel sous la Manche. Les remblais remontés à la surface représentaient 7 millions de mètres cubes de terre. Le projet Cigéo prévoit d'extraire 10 millions de mètres cubes de remblais sur un siècle d'exploitation. Le paysage en sera profondément modifié. Les déchets radioactifs stockés dans Cigéo sont principalement issus du retraitement des combustibles usés provenant des 58 réacteurs nucléaires français. Ils sont pour l'instant entreposés à Marcoule dans le Gard, Cadarache dans les Bouches-du-Rhône ou au centre de retraitement de La Hague. Cigéo accueillera les déchets de moyenne activité à vie longue, ou MAVL, mais aussi les déchets de haute activité à vie longue, ou HAVL. Ces déchets sont hautement radioactifs, pendant des dizaines, voire des centaines de millions d'années. Les déchets MAVL sont solidifiés dans des bitumes et placés dans des conteneurs en béton. Les HAVL sont vitrifiés et coulés dans un colis en inox. Ici, au centre technique de Saudron, on teste les robots qui entreposeront les colis dans les alvéoles souterraines. On dimensionne le centre Cigéo pour 80 000 m3 de déchets, des déchets dits de haute activité, qui représenteraient 10 000 m3, et des déchets de moyenne activité à vie longue, qui représenteraient 70 000 m3. 80 000 m3, c'est le volume de déchets produits jusqu'à la fin du parc nucléaire français, estimé dans 50 ans. Mais il y a débat sur l'inventaire. Une autre catégorie de déchets, le MOX usagé, pourrait être stocké dans Cigéo. Le MOX est un combustible mixte composé d'uranium et de plutonium. On l'utilise dans 22 réacteurs nucléaires en France. Sans savoir vraiment aujourd'hui s'il sera un véritable combustible d'avenir ou finalement un nouveau déchet nucléaire. Pour l'instant, rien n'est décidé sur sa destination. Ces combustibles usés aujourd'hui ne sont pas prévus pour aller dans Cigéo. Pour autant, une évolution de la politique énergétique et industrielle française pourrait conduire à considérer ces combustibles comme des déchets. Dans ce cas-là, il faudrait les prendre en charge dans Cigéo, ça serait un troisième type de déchets. Et ce qu'on nous demande de vérifier, ce qu'on a demandé à l'Andra de vérifier, c'est que le stockage Cigéo serait suffisamment flexible pour être capable de prendre en charge des combustibles usés si un jour on venait à considérer que c'était des déchets. En 2011, l'Américain Arjun Makhijani, expert en fission nucléaire, président d'un institut de recherche, réalise une étude sur le projet Cigéo. Selon lui, on ne peut construire Cigéo sans se poser sérieusement la question du MOX usagé, car son stockage nécessitera des aménagements techniques beaucoup plus complexes. Magnifique. On n'a pas décidé la politique de MOX. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce combustible usé ? Ce n'est pas seulement mon avis que ça sera très difficile d'accueillir les conteneurs de MOX à ce site. Ça a été déjà dit.
avant. Donc le MOX, en tous les cas, n'apparaît nulle part. Et pour vous, c'est une question essentielle. Oui. Si on va avoir une politique de surgénérateur pour la gestion des déchets MOX-usés, il faut avoir ce débat maintenant. Donc, à mon avis, sans avoir une réponse définitive de ce qu'on va faire avec le MOX-usé, le débat public est prématuré. Avec ou sans le MOX, l'ANDRA doit s'engager à pouvoir retirer les déchets radioactifs stockés pendant toute la durée de l'exploitation de CGO. C'est ce qu'on appelle la réversibilité. Aujourd'hui, la loi nous demande de proposer un stockage qui soit réversible au moins 100 ans. Et en 2016, une nouvelle loi devra être votée pour préciser ces conditions de la réversibilité. Puisque ça peut être plus, mais aujourd'hui on a un plancher d'au moins 100 ans. Il faut bien comprendre que le stockage a pour vocation définitive d'être fermé. C'est une installation qui est conçue pour être sûre, intrinsèquement, sans intervention humaine. C'est ce qu'on appelle la sécurité passive. Les étapes vers cette fermeture seront progressives et une fois fermé, le stockage intrinsèquement pourra retenir les éléments radioactifs sans intervention humaine. Donc sa directrice, Marie-Claude Dupuis, dit de toute façon, à terme, c'est un stockage définitif. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas fermé, c'est ouvert. En gros, c'est ça la réversibilité selon l'ANDRA. Et elle a inventé un autre terme qui s'appelle la récupérabilité. Donc elle dit, le stockage est réversible, mais il n'y a pas de récupérabilité. Donc on joue vraiment sur les mots pour séduire des gens facilement sur le fait que c'est facile de... Comment je veux dire ? Moralement, on peut dire oui à un stockage réversible. Pour un élu, c'est dit. Ça, c'est quelque chose qui peut être dit à la population. Mais on ne peut pas dire oui à un stockage irréversible. On va demander aux députés, non pas de se prononcer sur le bien fondé de CIGEO. Est-ce qu'il va pas ? Est-ce que ça risque pas d'exploser ? Est-ce que ça risque pas d'être mauvais pour la région ? C'est pas ça du tout la question. C'est tellement bien fait cette loi que c'est leur demander la durée de la réversibilité. Sachant que ça ne peut pas excéder 100 ans. Et 100 ans, c'est la durée de construction et de remplissage de CIGEO. La réversibilité. Les ingénieurs de Stockamine l'avaient aussi promise. Elle était inscrite dans le projet de stockage de déchets ultimes dans cette ancienne mine de potasse en Alsace. Mais en septembre 2002, un incendie ravage une partie des galeries. Amiante, cyanure, arsenic restent piégés au fond sans qu'aucune réversibilité ne soit possible. L'exemple de Stockamine est très parlant, parce que si Bure promet de pouvoir tout déstocker pendant 100 ans, c'est bien ce que Mme Dupuis, présidente de l'ANDRA, directrice de l'ANDRA, le dit et promet, eh bien, nous, on dit non, c'est pas vrai. C'est une promesse en l'air, vous ne pourrez jamais la tenir, cette promesse. Ou alors, montrez-nous que c'est déstockable ici. Sortez tout ce qu'il y a au fond, faites-le, et ok, peut-être qu'à ce moment-là, on commencera un peu à croire aux experts. En tous les cas, ici, la réversibilité ne s'applique pas pour l'instant. Pour l'instant, non. Mais c'est bien ce qu'on demande depuis 10 ans, qu'elle s'applique rapidement, parce que quand même, le fonds de mine travaille, ça se sait, hein. Les mineurs le disent. Alors, à l'époque aussi, le promoteur du projet nous garantissait une stabilité de la mine pendant 10 000 ans. Et ça, c'est fou d'annoncer un chiffre comme ça. Un expert qui annonce ça, franchement, il se fiche du monde, hein. Il n'y a pas autre chose à dire. L'exemple de Stockamine interroge aussi sur la sécurité du futur CIGEO. Un incendie du même type est-il possible ? L'ANDRA a prévu de multiplier les systèmes de détection, de compartimenter les galeries pour limiter l'incendie, de permettre aux secours d'intervenir à l'abri des fumées. Ce qu'il faut faire, c'est montrer que la protection qu'on met autour du colis est suffisante pour que, même en cas d'incendie, le colis lui-même résiste à ces températures, et ça, on va le démontrer grâce à des tests grandeur réelle, et que donc, même si l'accident d'un départ de feu survient, on n'aura pas de conséquences radiologiques. Imaginons cependant un départ de feu dans une alvéole où sont entreposés des colis de moyenne activité à vie longue. Des milliers de tonnes de bitume contenues dans les colis pourraient alors prendre feu. Bertrand Tuilier, un scientifique sans lien avec le nucléaire,
habitant la région de Bure, s'est mise à éplucher les rapports de l'Andra. Bertrand Pulier pense que concentrer tous les risques sur un même site n'est pas raisonnable. Il remet en cause les mesures de sécurité prévues par l'opérateur. Une alvéole, il faut se représenter, une alvéole de colis moyenne activité, c'est à peu près 450 mètres de long, 9 mètres de diamètre, une sorte de cathédrale. Et si on a un incendie, on aura beaucoup de difficultés à l'éteindre. Il faut savoir quand même que le béton qui est prévu ne peut pas tenir plus de... En tout cas, il risque de se dégrader au-delà de 2 heures. On a des... Pour le déplacement des colis, on a des portiques qui se déplacent sur des rails, donc qui risquent d'être, déformés par la température. Les filtres qui peuvent être prévus sont des filtres à base de cellulose, de carton et avec des joints en silicone, et donc pareil, il peut y avoir un risque d'inflammation. Et donc tout ça fait que on a des risques très importants de par ces facteurs. Risque d'incendie, mais aussi risque d'explosion. Certains déchets MAVL dégagent de l'hydrogène, un gaz explosif au-delà de 4%. Ce qu'on doit imaginer, c'est des situations d'incident ou d'accident dans lesquelles, par exemple, la ventilation s'arrête, et dans ce cas-là, vérifier qu'on est capable de gérer le risque d'hydrogène. Comme les quantités d'hydrogène sont faibles, on a pu vérifier que le temps qu'il faudrait pour que la concentration d'hydrogène commence à devenir dangereuse se compte en semaines, et donc ça laisse le temps, et ça on doit le démontrer, qu'en quelques semaines, on est capable de rétablir un système de ventilation permettant de refaire diminuer la concentration. L'hydrogène sera donc expulsé par d'importantes bouches d'aération, 500 à 600 mètres cubes d'air par seconde, pour ventiler les galeries. Ce que ne dit pas l'Andra, c'est que certains gaz radioactifs dégagés par les colis pourraient aussi remonter à la surface par cette ventilation. À partir du moment où vous avez des colis qui dégagent de l'hydrogène et donc qui ne sont pas étanches, associés à ce dégagement, vous avez des gaz radioactifs, du krypton, du carbone 14, du tritium, etc. Et donc, comme en fait ces colis sont ouverts, enfin, ou en tout cas sont uniquement clipsés et avec une ventilation pour éviter cette accumulation d'hydrogène, il est vrai qu'il y aura également des gaz radioactifs qui vont se dégager. Nous allons effectivement pouvoir le constater. L'Andra a créé l'Observatoire pérenne de l'environnement. Le principe est de faire un état des lieux avant et pendant l'exploitation de CIGEO afin de constater dans le temps s'il y a des changements dans l'environnement. Les données seront stockées dans un centre de la mémoire sur le site de Bure. Là encore, l'Andra est à la fois opérateur et contrôleur de ses propres activités. Dans la ZIRA, la future zone d'implantation, cette OPE a installé des dizaines de capteurs, stations de suivi des eaux, stations agricoles, stations en forêt. Des capteurs atmosphériques vont analyser l'air. Dans ce document officiel, c'est très clair, les éléments traces à rechercher sont liés à la radioactivité. L'OPE qui est annoncée comme étant une étude de la biodiversité, etc., c'est en réalité l'étude de radioéléments, donc c'est pas quelque chose qui est uniquement une question d'évaluation de, le comptage des petites fleurs et des... Non, c'est vraiment d'analyser des contaminants qui peuvent être des radioéléments. Ça veut bien dire qu'en réalité, on aura besoin de suivi sanitaire des populations liées à ces perturbations parce que ces perturbations peuvent être très importantes. Mais avant l'arrivée du premier colis, aux environs de 2025, il faudra d'abord creuser 5 puits d'accès, une descendrie pour acheminer les colis et percer des galeries sur une surface de 15 km². Ces travaux gigantesques vont créer des failles et des mouvements de terrain qui pourraient modifier la nature du sous-sol et favoriser la dispersion des radioéléments. Quels sont les dangers du fait de creuser dans l'argile ? La roche n'est plus intacte, c'est endommagé. Et la zone endommagée est assez grande, c'est vraiment une mine. Si on a des fissures qui sont susceptibles à s'agrandir après le stockage des déchets à température élevée, on risque d'avoir un transport de déchets
beaucoup plus rapide. Donc, ils ont supposé que les fissures et l'endommagement vont se cicatriser complètement. On a trouvé que c'était une vision beaucoup trop optimiste. Trop optimiste. Vous voyez, la sûreté du stockage pendant son exploitation. Oh, il y a 2,5 pages. C'est fou. Landra suppose que des situations accidentelles puissent se produire et prévoit des dispositions supplémentaires pour les maîtriser afin d'en minimiser l'impact. C'est formidable. C'est formidable. Tout ça pendant 100 ans. Polytechnicien, docteur en physique des réacteurs nucléaires, Bernard Laponche remet lui aussi en cause l'étanchéité du futur CGO. Est-ce qu'on peut absolument fermer hermétiquement ou bien est-ce qu'il pourrait y avoir des infiltrations puisqu'on fait des trous, hein? Cette couche d'argile qui était absolument imperméable, ben, je fais dedans des trous. Alors je peux peut-être boucher, mais vous savez, dès que vous faites un trou, il y a des fuites. Enfin, c'est assez facile en fait d'imaginer des circonstances, par exemple climatiques, sans aller jusqu'à la géologie, mais climatiques, qui font qu'une telle installation, à un moment donné, ne peut plus fonctionner, enfin, a des problèmes. La couche d'argile restera-t-elle homogène, emprisonnant les radioéléments ? C'est la thèse de Landra. Les failles provoquées par le creusement favoriseront-elles au contraire leur déplacement ? L'eau ne pourrait-elle pas s'infiltrer et mettre en contact des colis radioactifs avec les couches supérieures ? Faut-il craindre pour nos nappes phréatiques ? 13 minutes 30. Science-fiction, vision alarmiste diront les promoteurs du projet. Et pourtant, le scénario du pire existe déjà. Ce qui se passe en Allemagne actuellement avec le stockage souterrain de Haas qu'ils avaient mis dans une mine de sel, c'est pareil, les certitudes des Allemands à cette époque, c'était avec les mines de sel, c'est idéal, puisque comme le sel est resté là, il n'y a pas d'eau, donc on va utiliser la mine de sel. Et c'était exactement les mêmes discours qu'aujourd'hui avec CIGEO. Certitude, on a fait tous nos calculs, on a tout mesuré, etc. Donc, et puis voilà, il faut tout recommencer. Haas est une ancienne mine de sel, comme celle de Stockamine. De 1964 à 2004, on y a stocké des fûts de déchets radioactifs jusqu'à ce qu'on découvre que l'eau s'infiltrait et qu'à terme, la mine allait s'effondrer. Bien sûr, CIGEO n'est pas Haas. On stocke dans l'argile, non dans le sel. Mais tous les mineurs le savent. Creuser en sous-sol peut provoquer des réactions inattendues. Ce qui est absurde, c'est que ce qu'on a fait en pratique n'avait plus rien à voir avec la théorie. En 1964, des mineurs et des riverains avaient alerté en disant que cela ne pourrait jamais fonctionner. Les scientifiques ont répondu que cela tiendrait pour l'éternité. Ont-ils menti ou se sont-ils trompés ? En tout cas, les scientifiques avaient tort et les citoyens avaient raison. En attendant d'éventuelles conséquences à long terme, si le chantier voit le jour, les élus du territoire profitent des retombées immédiates. L'installation du laboratoire de recherche apporte à chaque département concerné 30 millions d'euros par an. Cette manne financière est gérée par un GIP, un groupement d'intérêt public. Bonjour, monsieur. Comment va, monsieur ? À quelques pas du laboratoire, on inaugure un nouvel hôtel et le GIP a activement financé sa construction. Mais si vous voulez, il y a 5 ans, quand je suis arrivé pour la première fois avec monsieur le maire, Gérard Antoine, c'était un terrain vague. Il n'y avait rien. Tous les élus sont là pour l'occasion. Monsieur Pancher est demandé. Monsieur le député de la Meuse est demandé.
Cette inauguration est un signe positif du développement économique du territoire grâce à Cigéo. Ce que nous vivons ensemble est une aventure exceptionnelle à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe. Ce que nous réalisons ici en Haute-Marne et en Meuse est une expérience exceptionnelle qui conditionne le succès de la filière à ce jour la plus pertinente de création d'énergie, qui est la filière électronucléaire. Il y a peu de territoires qui ont cette chance. Cette chance peut devenir un succès si nous continuons cet esprit d'engagement, de responsabilité, de dialogue et de partage. Les opposants parlent d'achat des consciences. Mais pour tous ces décideurs, c'est de l'accompagnement économique. C'est de l'argent public, sous contrôle du Parlement, versé à des entités publiques que sont les groupements d'intérêt public, où les instances de l'État sont représentées pour contrôler tout ça, et pour permettre au territoire de se développer et de se préparer à l'accueil d'un futur stockage. C'est ce que la loi dit. Mais on n'achète pas les consciences des élus avec de l'accompagnement économique. Chaque commune bénéficie ainsi des fonds d'accompagnement du GIP. Environ 500 euros par habitant et par an. La commune d'Oudelincourt, 360 habitants, perçoit ainsi chaque année près de 180 000 euros. Le maire ne se pose aucune question. Personne jusqu'à présent n'a reproché à une collectivité de collecter d'importantes retombées fiscales au pied d'une centrale nucléaire. Pourquoi, lorsque localement on permet la recherche pour essayer de trouver une solution de gestion des déchets générés par la plupart de ces centrales nucléaires, pourquoi voulez-vous qu'on ne participe pas à certaines retombées économiques ? Aucun élu ne refusera d'avoir une retombée qui donne un plus à la gestion de sa commune. Je ne pense pas. Le maire d'Oudelincourt a aussi bénéficié de l'installation d'un site de stockage d'archives qui abrite en fait les archives d'Areva. EDF a fait de même à Bure, installant ses archives dans un bâtiment futuriste, non loin du laboratoire. Paradoxe, le GIP, qui est financé selon le principe du pollueur-payeur par ces mêmes Areva et EDF, finance à son tour leur projet. L'argent retourne donc aux financeurs, circulant alors parfois en circuit fermé. Et il faut le dire, ces infrastructures implantées au nom de l'accompagnement économique du territoire créent en fait très peu d'emplois. Mais ce que l'on n'a pas pris en compte, ce sont les emplois qu'on risque de détruire par ailleurs. Par exemple, pour le champagne ne tire son excellence que du terroir de Champenois. C'est 30 000 personnes. Imaginez qu'il y ait 10% de baisse du champagne dû à une atteinte à l'image. C'est 3 000 personnes. Comment ne pas faire le lien entre l'excellence d'un terroir et, j'irais, cette altération du sous-sol ? Comment ne pas considérer que les eaux minérales de Contrex, de Vittel, ne soient pas touchées ? Il n'y a rien de plus fragile que l'image d'une région. Et là, on risque de dégrader l'image de la région Champagne et l'image de la région Lorraine. Loin de se soucier de leur image à long terme, les mairies empochent les subventions immédiates. Aux dotations par habitant, qui tombent automatiquement chaque année, s'ajoutent toutes sortes de subventions que l'on peut demander au GIP dans le cadre du développement du territoire. L'effet de cet argent est visible partout entre Meuse et Haute-Marne. On refait les routes, on construit des réserves incendies, des salles des fêtes, des stations d'épuration. Les entrées de villages s'habillent de lampadaires. Les places sont réaménagées, équipées d'écrans lumineux, comme à la ville. Peu à peu, le territoire se modifie. Mais pour quelle population ? Dans ces départements ruraux, faiblement peuplés, verra-t-on demain des villages refaits à neuf, désertés par leurs habitants ? Aujourd'hui, notre petite région est en perte démographique. C'est impensable. Des maisons qui se vendaient ici, il y a 7 ou 8 ans, comme des petits pains, aujourd'hui ne se vendent plus. Le mot « bure » est rentré dans les mœurs de tous les Français et de tous les étrangers qui
à une époque, venu ici en résidence secondaire, quoi. C'est un projet qui fait peur aux gens. Peut-être plus peur aux gens de l'extérieur qu'aux locaux. Le maire de Bonnet et son conseil municipal se sont pourtant prononcés contre l'implantation de Cigéo. L'affaire a fait du bruit à la préfecture. Une partie de ses conseillers ont alors changé d'avis et se sont désolidarisés de cette décision. Le maire, depuis, a tenu bon. Ma seule grande erreur a été de ne pas transformer mon avis en délibération sur le champ, quoi. Mais j'ai estimé sur le coup ne pas en avoir besoin. Et par la suite, donc, il y a eu interférence de l'Andra dans les affaires communales. Bon, c'est tout. J'ai 5 conseillers municipaux d'opposition qui ont été invités à l'Andra. Bon. Vous comprenez, avant la prise de délibération, donc j'ai découvert dans l'Est républicain, la veille de la convocation du conseil municipal, que 5 conseillers se désolidarisaient du maire. Le maire accepte les dotations par habitant, mais il refuse de faire la course aux subventions du GIP, comme c'est le cas dans les communes voisines. Je reste dans ma décision et l'évolution du projet ne me fera pas changer d'avis. Non, c'est pas possible. Le groupement d'intérêt public ne finance pas seulement les villages. Il participe aussi au développement des entreprises privées. Cet entrepreneur de la Meuse vient ainsi de bénéficier d'une subvention pour l'achat d'une pelle mécanique flambant neuve. Il remercie le GIP et ses subventions qui lui permettent d'être très compétitif dans son secteur d'activité. On s'aperçoit qu'on a des prix plus compétitifs parce qu'on a du matériel plus performant et donc on va plus vite, la rentabilité de chantier est supérieure. Et ce qui nous permet de prendre des parts de marché dans un rayon de 50 km autour de notre dépôt, quoi. Ça représente une aide de combien, globalement ? Totalisé sur les 10 dernières années, on est à peu près à entre 60 et 70 000 euros. Donc, pas du tout négligeable pour nous. À court terme, la Meuse et la Haute-Marne seront-elles, comme dans la région de La Hague, dépendantes d'une mono-industrie nucléaire ? On y va tout droit, car pour la Meuse, 30 millions d'euros annuels, ça ne suffit pas. Le département en voudrait encore plus. C'est pas à la hauteur d'un dossier d'intérêt national avec une contribution d'un département qui prend tout de même un engagement vis-à-vis de l'ensemble du territoire français et du nucléaire. Aucun département ne l'a fait. Donc nous le faisons, nous demandons des contreparties réelles. Mais ces contreparties, nous les demandons en même temps que des garanties sur la faisabilité de ce projet. À travers les deux départements, la commission du débat public continue d'organiser des réunions sur le projet Cigéo. À Bar-le-Duc, les opposants viennent déposer une pétition. On l'a donc déposée dans les conseils généraux, qui n'en ont tenu aucun compte, ils se sont assis dessus, ils n'en ont rien fait, et on les avait conservés. Pétitions. Donc aujourd'hui, on se dit que c'est le moment solennellement de les donner. Voilà. À quelqu'un, puisque les élus ne veulent pas les recevoir. Donc on va et il y a ceux-là aussi pour la Haute-Marne. Voilà. Hein. 37 500. Ça ouais. Fait 59 000, un peu plus de 59 000. Personne n'est au pouvoir aujourd'hui d'empêcher 60 000 citoyens de s'exprimer. Je le dis au président, il y en a marre qu'on nous prenne pour des cons. Il y en a marre qu'on nous prenne pour des cons. Une fois de plus, la réunion est chahutée. Par leurs sifflets et leurs slogans, les opposants imposent leur refus de débattre. Une tribune inespérée pour ce mouvement qui s'était un peu essoufflé depuis 20 ans. Dans l'impossibilité de débattre, le président jette l'éponge. Une fois de plus, deux visions du projet s'opposent. Longuet, puisque vous n'êtes c'est pas... pas moi qui décide. Ah, vous êtes, c'est jamais vous qui décidez. Si, j'ai voté la loi et je vous l'ai dit. Et bien alors, vous je décidez. Voterai en 2016. Et bien, si vous et je décider, voterai de bon cœur la loi. Et bien faites un référendum. Nous, on vous le demande, monsieur Longuet. Laissez d'abord parler les gens, comme ça ils pourront entendre. Personnes. Si vous laissiez parler les gens, ils pourraient parler dans des signes, ils pourraient s'exprimer.
Une nouvelle génération d'opposants est venue prêter main forte aux militants historiques. Ils ont entre 20 et 30 ans, viennent de la France entière et ont décidé de s'installer à Bure. Ils ont acheté et restaurent petit à petit cette ferme, devenue en plein cœur du village qui accueille le laboratoire de recherche, une maison de la résistance. Pourquoi vous refusez ce débat public ? Un débat public quand un projet est déjà lancé. Est-ce qu'il est honnête ce débat ? Est-ce qu'il est honnête ? Ce débat public, il est prévu par la loi de 2006. Après, l'ANDRA nous a toujours dit « Attention, ce débat public n'a pas vocation à remettre en cause le projet d'enfouissement à Bure. » Donc bah, nous, on discute pas avec ces gens-là. Nous, le projet, c'est non, donc le débat, c'est non aussi. Aussi simple que ça. Parce que qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets, quand même ? Ils sont là, maintenant. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ah bah, ces déchets, ils sont là. Bon, bah oui, ils sont là. Mais si on les met à 500 mètres sous terre, ils seront toujours là. Hein. 500 mètres, c'est le bout du village. Hein. C'est parce que c'est sous terre qu'on les voit plus, qu'ils n'existent plus. Enterrer la catastrophe, ce n'est pas gérer la catastrophe. Mais alors on en fait quoi ? Ah bah ça, je vous ai dit, on arrête le nucléaire et peut-être que là on pourra avoir un débat serein. Je pense que d'ici, ça fait 50 ans qu'on produit des déchets nucléaires qui ont des durées de vie, eux, de 100 000, 200 000, 1 million, voire des milliards d'années pour certains éléments. Est-ce qu'on est à 10 ans, 20 ans, 30 ans près pour gérer ces déchets ? Comme ceux qui, près de Nantes, s'opposent à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ils ont choisi de vivre ici, sur le lieu même de leur combat. C'est juste envie de prendre soin de ce qu'il y a autour de nous et de respecter ce qu'il y a autour de nous, en fait. C'est plus dans ce sens-là, quoi. C'est pas... On prend conscience de certaines choses et donc, du coup, on a envie que ça change, ça reste pas juste un discours. On a aussi envie de l'appliquer dans notre vie. Le débat contradictoire sur le projet de stockage profond des déchets radioactifs. Nous attendons vos questions en direct, par mail ou par SMS, et aussi vos réactions sur Twitter. L'adresse mail. Dans l'impossibilité d'organiser des conférences sur le terrain, le débat public se réfugie sur Internet pour continuer à exister. Dans leur grande majorité. Et d'autres qui il devient virtuel, mais radioactif quand même, consiste à faire passer comme s'il fallait coûte que coûte aller jusqu'au bout. Moins longue. On ne peut pas appeler ça un débat public. Et donc, il faudra bien que la CPDP satisfasse à l'obligation de débat public. En marge du débat officiel, d'autres réunions s'organisent pour parler du projet CIGEO. Un homme d'église place le débat sur le terrain de l'éthique. L'évêque de Troyes est opposé à l'idée d'enfouir des déchets sous la terre. Mais il est pour le débat et les échanges d'idées. Bonsoir à tous. Je suis très, très heureux de voir que ce sujet fait venir beaucoup de monde. Moi, je considère que tant que les voix peuvent se faire entendre, quels que soient les arrière-plans, il y a de l'espoir pour l'avenir. L'Église n'a pas de compétence spécifique en matière scientifique, mais elle a une compétence éthique. Enfin, elle prétend avoir une compétence éthique. Elle considère comme étant de sa mission d'offrir des lieux d'écoute et de dialogue, de favoriser la réflexion sur la manière dont l'homme est en jeu, dont l'avenir de l'homme est en jeu dans les choix de société qui sont faits. Est-ce qu'on est capable de se reposer des questions sur la manière dont nous vivons, sur ce que nous consommons, sur ce que nous désirons ? Les questions de fond, c'est celle-là en réalité. Parce que s'il n'y avait pas des choix tels que nous les faisons dans notre civilisation d'aujourd'hui, bah, il y aurait peut-être une moindre consommation d'énergie. Dans 2 ou 3 000 ans, se souviendra-t-on des déchets radioactifs de CIGEO ? Et que penseront les générations futures de cet héritage souterrain ? L'objectif numéro un, ce n'est pas d'oublier, c'est de maintenir la mémoire au contraire. Et donc l'ANDRA, dans son projet, met en place dès aujourd'hui tout un système de transmission de la mémoire, du stockage, pour que les générations futures, non pas dans 100 000 ans, non pas dans 1 000 ans, mais dans 100 ans, voire dans 50 ans, aient toutes les cartes en main
pour décider ce qu'elles veulent faire, donc pendant la période d'exploitation, et même après la fermeture, qu'elles gardent un œil sur ce lieu où on aura fait un stockage unique en France et qui méritera de conserver une surveillance particulière et une attention où chaque génération devra transmettre la mémoire du stockage. Mais faut-il aller si vite ? Y a-t-il à ce point urgence de construire un tel projet ? Cigéo coûtera 35 milliards d'euros à la collectivité. Ne faut-il pas, dans un premier temps, financer la recherche et se donner une chance de trouver une solution alternative ? Au bout de 20 ans, qu'il n'y a aucune solution et que la seule, c'est de vraiment mettre ça définitivement pour des millions d'années, c'est pas sérieux. Au point de vue scientifique, je trouve que c'est choquant. Vous pensez qu'on a le temps ? Mais bien sûr. Il n'y a absolument aucune urgence, puisque de toute façon, les déchets ne seront pas entreposés avant des dizaines d'années. Donc je pense qu'il y a une étape qui est brûlée, mais je dirais que c'est une habitude. Hein. Quand on a fait Superphénix, on a fait la même chose et on voit où ça nous a conduit. On est dans une urgence qui est incompréhensible par rapport à la durée de vie de ces déchets, qui est incompréhensible par rapport à toutes ces questions qui restent et qui sont d'autant plus importantes que l'on, je dirais, on examine en profondeur ce dossier. Pourquoi cette urgence ? C'était exactement ce qui était ressorti des débats publics de l'époque en 2006. Donc on voit bien qu'il y a une sagesse populaire, une sagesse de ces territoires qui voit bien que le projet n'est absolument pas bien ficelé, n'est pas fini, n'est pas, y a un flou.